Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bravely Default 2, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, il ne devrait y avoir qu'un seul épisode de chacune de mes séries, je vous le dis à chaque épisode, pour ceux qui voient c'est un peu chiant, mais bref, je vous le dis pour ceux qui ne regardent qu'un seul épisode, et qui comprennent pourquoi bah, il n'y a qu'un seul épisode par jour, cette semaine, parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps de tourner des épisodes, et je les tourne bien à l'avance, nous sommes le 10 novembre, ça vous donne un petit peu voilà, un horizon de ce que de quand est-ce que je tourne tout ça. Bref, on s'en fout complètement. Là, ce que l'on cherche à faire, c'est nous barrer d'ici pour aller faire notre quête. Alors, soit on retourne à Alcyonia, soit on retourne à Wizwald. Et j'ai quand même l'impression qu'on va aller terrasser du mort à Wizwald, ça me paraît bien. Du mort à Wizwald. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avons terminé Savalon. Ta la la la. Et qu'importe son expérience au combat, un soldat ne doit jamais arrêter de s'entraîner. Allez, faisons un autre exercice. Un autre point faible, une migaleuse. Épée de feu. Ça peut être pas mal ça. C'est quoi les migaleuses? On va aller faire ça. Classe. Non, pas classe. Quête. Carnet de voyage. X en cours. En cours. On va mettre ça. Les bons outils. C'est lequel? C'est le vert, ok. C'est loin, hein? Ça me paraît hyper loin le vert. Non, c'est peut-être juste là. Ah, c'est ça les migaleuses, ok. Non mais reviens. Putain, elle me fuit la conne. Le machin me fuit comme pas possible. Par contre la difficulté elle avait l'air super haute. J'ai l'impression c'est juste que... Ok, faut que j'en tue 3. Ah là, il y en a que 3. Paf. Ah ouais, non mais ouais, on les éclate en effet. Inflige une petite attaque lumière à une toutes les cibles. Auréole bannissement. Puissante attaque. Puis une puissante attaque magique de lumière à une ou toutes les cibles. Bah. Je comprends pas. Ah, what the fuck. Je cliquais sur régénération. Je faisais un truc à la con comme ça, c'est ça. Paf. Paf. Ah, ils sont éclatés. Ils sont éclatés les pauvres. Bon, Arlaconier, passe tatataf. Outre sa compétence défaut. Et hop, Seth apprend la compétence don de sagesse. Ok, ça y est, on a maîtrisé le niveau 12. C'est parfait ça. Le truc des boucliers, on va repasser en épée du coup. À moins qu'on l'ait fait. 3 sur 5. On va aller voir les classes. Niveau 10, maître des lames. On va aller voir ce que ça fait d'avoir le niveau 12 avec ça. Utiliser protection d'alliés, garde du corps ou défenseur du peuple, restitue quelques PM et confère un PB supplémentaire à l'utilisateur. C'est super ça. Parce que du coup, ça fait comme si on était en défaut. Ça confère un PB supplémentaire à l'utilisateur. Et ça restitue des PM. Putain. L'utilisateur s'interpose sur subir des dégâts à la place des alliés proches du chaos et adopte automatiquement la posture défaut. Très bien, compétence. Nice. Et en plus, on a débloqué le don de sagesse qui permet de transférer 33% du maximum de PM d'utilisateur à une cible. Ça marche très bien. On va faire l'art. Alors, on verra si l'art de l'épée il est mieux à spécialité 2, mais pour le moment, je pense qu'on restera comme ça. On va échanger les deux pour faire passer le niveau 12. À Seth. Merde, on surcharge du coup équipement. Ok, on va virer le bouclier. Ce qui en soi est un peu con, mais. Je peux mettre une petite targe, je suis pas obligé de mettre le bouclier de géant. Bouclier médian, mais je peux mettre un petit bouclier. Un petit bouclier genre ça, mitril. Je pense que ça sera mieux au moins d'un bouclier quoi. Qu'il est pas en surcharge. Hop. Il a mis les migaleuses, il y en a une ici.
Et qui croyait prendre Emily des Bélièvres enragées. Ah, c'est une autre quête. Très bien. Viens là, toi. Papa, la la la, ta la la, ta 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 ta. What the fuck? C'est quoi cette musique? Je la connais pas, celle-là. Inflige une attaque physique de feu à une... Non. Plusieurs cibles. Art de l'épée. Je pense qu'on va tous les tuer là, non? Ah mais j'ai plus... Ah mais ça coûte des PM. Non, on va pas faire ça. On va faire... on va faire art de l'épée, posture... Stable et puis attaque, hein. Hop. Tac. Tac. Tac, attaque. Tac, attaque. Tac, attaque. Normalement, il attaque tous. Voilà, cesse. J'allais faire ça dès le début. Il les a éclatés tous là. Ta 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 ta. Et une des migaleuses 6 sur 5. Et retourner voir le soldat. Ok. On a fait les deux. On a fait les deux d'un coup. Oh, mais lol. Ah oui, ça coupe les arbres. Je suis parti un peu loin, j'ai l'impression. Tchac! Moi je coupe la forêt moi. Ta 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 ta, là, mais on a Wizwald, et ben oui, il y a que des arbres partout. Et du coup, j'ai fait les d'un coup pour travailler, soldats. Ces migaleux sont des histoires anciennes, mais n'oubliez pas que l'entraînement de Rion n'est jamais terminé. Pas seulement se mettre, mais aussi réfléchir, essayer de blablabla, blablabla. Rendre compte de moi l'épée de feu. C'est tout? Objet. Qu'est-ce qu'elle fait, l'épée de feu? Élément feu. C'est tout. Bah, c'est bien de la merde. Bon, retournons à Wizwald. Ta da da da. Ta da da da. Ta da da da. Que va-t-il se passer? J'ai l'impression qu'il pleut. Ah non. C'est le bruit des feuillages. Tout est beaucoup trop calme ici. Où sont passés tous les habitants? Ouais. Où sont tous les morts vivants qui les ont attaqués, comme nous l'a dit Rodi? Ils ne veulent pas tous s'être tous envolés. Séparons-nous et cherchons-les. C'est elle me dit, elle. Ce regard déçu me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Désolé, mais je n'ai rien à t'offrir non plus. Ok. Discussion avec qui? On va discuter avec qui? Tout seul? Le souvenir de Dame Emma. Mais il n'y a personne. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que Wizwald est en danger, c'est ma ville. Et c'est Dame Emma qui a quasiment fondé ce lieu. Dame Emma semble avoir été quelqu'un d'incroyable. Oui, en effet, la meilleure magicienne que le monde ait connue. Je lui dois tout, Rodi aussi. Qu'elle ait réussi à faire de moi un magicien sans s'arracher jusqu'aux derniers cheveux restera jamais un mystère. Mais elle y est arrivée. Elle n'a pas lâché et elle m'a expliqué les choses encore et encore jusqu'à ce que je finisse par les retenir. Il y a de quoi s'émerveiller du fait qu'elle n'ait pas renoncé face à une tête de bois comme toi. T'es plus magicien là. Ouais, quand elle se lançait dans quelque chose, il n'y avait plus moyen de l'arrêter, c'était épuisant. Si on faisait la moindre petite erreur, on reculait d'un pas et on réessayait. Si on ratait cette étape là, on reculait encore d'un pas. J'étais tellement mauvais en histoire de la magie qu'on a dû remonter jusqu'à l'époque où elle n'existait même pas. Ah, dis donc. Elle était tout aussi pointilleuse dans ses propres recherches. Mais pas tant que ça pour le rangement de son laboratoire. Et elle aimait beaucoup trinquer avec d'autres et pousser la chansonnette lorsqu'elle était d'humeur à ça. J'ai changé d'avis. Faire tout ça en plus de supporter, elle n'est pas juste incroyable, elle était extraordinaire. Bien sûr que oui, sans ça je n'aurais jamais signé. Ah 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 ah. C'est l'éclate. Est-ce que se passe-t-il ici? Ah, je me suis barré. J'aurais pas dû aller là. Ah, il y a encore la peinture bleue là. Il a arrêté d'en produire pourtant, non? Où est-ce que sont les autres? À l'intérieur de la maison. Que se passe-t-il? As-tu trouvé quelque chose? Rien, je n'ai pas vu âme qui vive. Moi non plus, j'ai regardé à l'intérieur de certaines boutiques et bâtiments divers, mais rien. Et même les boutiques, il n'y a rien, en effet. Là, il n'y a que dalle. Là, il n'y a que dalle. Ils sont tous day, c'est day. C'est assez problématique. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous aider les gens qui sont déjà morts? Chou blanc, hein, pareil pour moi. J'ai jeté un coup d'œil partout dans l'institut, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Rodi Lee ne serait pas parti subitement comme ça, mais où est-ce qu'ils ont pu aller?
pour nous appeler, non? Bon, la tour est le dernier endroit que nous n'avons pas fouillé. Attendez, je viens de voir quelque chose bouger à l'intérieur. Venez. Ça semble pas bon. Ils sont réfugiés à la forêt, dans la forêt, je sais pas où. Oui, c'est ça. Parce que là, on est dans un donjon, non? Je peux plus sauvegarder, là. Ouais, je peux pas sauvegarder, ok. Toum, toum, toum. Pa, pa, pa. J'aurais peut-être dû sauvegarder, d'ailleurs. Quoique, mais non, c'est là où on était. Voilà, c'est là où on a fait le boss. Je pense pas qu'on pouvait monter direct là. On est peut-être redescendu direct par là. C'est vrai. Touloulouloulou. Roddy, Roddy. Elvis. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'était-il arrivé? C'est Vigincio. Lui et son armée de morts-vivants. Et Vigincio, tu veux dire qu'il est en vie? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ça peut attendre. La priorité, c'est de libérer Roddy. Oui, oui, tu as raison. Merci, vieux. Je sens qu'il va être, encore une fois, corrompu. Peut-être pas, mais... Je vous avoue que j'ai un petit peu de suspicion. Merci encore, j'ai bien cru que ma dernière heure arrivait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Roddy. Tu as parlé de Vigincio, non? Dame Emma l'a vaincu. Oui, je le sais. Mais il est revenu, il est désormais au service d'Holograde. Mais ça n'a aucun sens. Écoute-moi, tu te souviens quand j'étais en train de te parler grâce à la note de succion? Eh bien... Dis-nous ce qu'il s'est passé, Roddy. Et dis-nous tout! On veut savoir. Il y a plein de nouveaux thèmes musicaux, là, c'est cool. Roddy, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est impossible. Vigincio. Mais, Madame Emma, elle m'a tué. Oui, c'est vrai! Mais c'était déjà trop tard! Tard! Parce que je l'avais déjà perfectionné. Je parle de la formule! Celle que tout le monde croyait j'avais perdue à jamais. Et celle qui a fait de moi le puissant sorcier de l'au-delà. Le sorcier de l'au-delà? Attends, tu te prends pour le roi des morts vivants, c'est ça? Il va peut-être leur ramener leur fille. Je me suis encore ensuite consacré corps et âme à Holograde. Ils m'ont donné la série des arcanistes et la suite, tout le monde la connaît. Yahaha. Mais ça s'est papoté. L'heure est venue pour moi de prendre ma revanche. Emma n'est plus là pour protéger les habitants de cette ville. Il se rend parfait pour alimenter ma merveilleuse formule. Que veux-tu dire? Mais comme tu l'as vu, mon ancien sort sert à ramener les gens d'entre les morts. Il faut qu'il meure. Je ne peux pas sauter cette étape. Ou du moins, je ne le pouvais pas. Mais j'ai découvert le moyen de rallier les humains bien vivants à notre cause. Quoi? Non, comment tu peux faire une chose pareille? Yeah, ça a été facile pour moi. Quoi qu'il en soit, tu sais donc ce qui va arriver? Qui va arriver à ton peuple? Ils deviendront des morts vivants. Et tu seras au premier rang pour y assister. Oh, si seulement ta chère Emma était là pour voir ça. Voyons un peu. Oui, cette tour là-bas offre sans doute le meilleur point de vue sur toute la ville. Ah ouais, non, mais c'est vraiment des morts vivants. Arrêtez, libérez-moi. La panique. C'est le moment de terminer les derniers préparatifs. Je suis maléfique. Conduisez tous les prisonniers dans le bâtiment que je vous ai montré. Celui de l'Institut. Allez. Je suis maléfique. Et non pas magnifique, hein, parce que t'es très très moche. C'est presque l'heure. Rire maléfique entre astérisques. Ils sont tous fichus, Elvis, y compris Lily. Allons, Roddy, tu n'es pas encore fini. Vigincio a dit qu'il devait terminer certains préparatifs. Non, ça veut dire qu'on a encore un peu de temps avant qu'il déclenche son plan, quoi qu'il soit. On doit simplement le trouver et l'éliminer avant que ça se produise. Tu as raison. Oui, tu as raison, Elvis. On ne doit pas en voter maintenant. Mais comment on va faire pour l'éliminer? C'est un mort-vivant, non? J'ai peut-être idée pour sur la question. Mais on va avoir besoin d'un rameau de frêne waldien. Un rameau de frêne waldien, tu dis? C'est drôle, je suis sûr d'en avoir vu un il n'y a pas longtemps. Vraiment? Un instant, je dois réfléchir. Ah, mais oui! Vous vous rappelez la poupée que la pauvre Lily prenait pour Mona? Eh bien, si mon flair magique ne m'a pas trahi, cette poupée serait sentait le frêne waldien à plein nez. Tu vois, quand tu veux. Dans ce cas, on ferait bien d'aller l'examiner d'un peu plus près. Partez devant, je vais rester ici pour parler une chose ou deux.
Bah bien sûr, on va te laisser tout seul après que tu te sois fait capturer par une armée de morts-vivants. Quelle bonne idée! Allons-y. Il ne faut pas prendre les morts-vivants à l'hiver, je voulais reposer un peu avant de partir. Un peu de repos ne nous fera pas de mal. Je peux passer le truc là. Trouvez-moi le rameau Fred, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, ça me permet de dormir, très bien. Et donc de récupérer mes points de vie et tout le reste. Discutons. La vilenie de Viginisio. Alors que peux-tu nous dire à propos de ce Viginisio? Il était célèbre par sa connaissance de la magie antique et en particulier des sorts liés à la vie et à la mort. Il en savait même plus que Damema sur ce sujet-là. Ce qui devait faire de lui un sacré sorcier, non? Peut-être, mais il était vraiment dérangé. Il pratiquait des expériences magiques sur les humains. Bon nombre de ces sujets n'ont pas survécu, apparemment. Mais c'est monstrueux. Ouais, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Damema. C'est pour ça qu'elle s'est débarrassée de lui pour de bon, ou du moins elle a essayé. Mais le voilà qui revient sous la forme de ce sorcier de l'au-delà, le roi des morts-vivants, un truc du genre. Ouais. Et comme l'a dit Damema elle-même, il connaît la magie antique comme personne. Ça ne sera pas un adversaire facile. En effet, surtout s'il cherche à prendre sa revanche, comme l'a affirmé Rodi. Quelqu'un qui emporte sa rancune avec lui dans la mort et même au-delà est une personne à éviter si possible. Tu as sûrement raison, mais nous n'avons pas d'autre choix que de l'affronter. Nous sommes les apprentis de Damema. Nous devons achever ce qu'elle a commencé. Et quel meilleur moyen de le faire qu'en utilisant la magie qu'elle nous a enseignée. Ça paraît bien comme approche, mais sois prudent d'abord. D'accord. Ce qui est drôle, c'est que Damema disait toujours que c'était l'imprudence de Viginisio qui lui jouait des tours. Cette fois encore, il commettra une imprudence et à ce moment-là, nous le mettrons hors d'état de nuire. Une bonne fois pour toutes. Ben, on espère. Donc, let's go. Allons chercher. Allons chercher ces petits bouts de bois. Avec une poupée qui était ta fille décédée. Ramenée à la vie. Par de la peinture magique que tu avais toi-même créée. Incroyable, non. Ce jeu est incroyable. Ne le trouvez-vous pas? C'est n'importe quoi. Ah. Mais je sais pas pourquoi je fais des chansons, je ne sais pas chanter. Alors arrête! Ta-la-la. Pourquoi il m'a dit d'aller là, ce con de jeu? C'est pas là la forêt ici? Ah bah si. Je peux peut-être me faire un petit paf téléportation taf ouais, ça nous fera un petit point d'arrêt. On va juste sauvegarder parce que ça fait un quart d'heure et que on ne l'a pas fait depuis qu'on a quitté Savalon et j'aimerais pas crever en plein milieu dans la forêt. Alors si mes souvenirs sont bons, faut descendre, faut aller sur la gauche. Ok, nous vit tout ça, c'est plutôt cool. Peut-être pas en fait, peut-être que juste que j'aille là. Je ne sais plus. Non, voilà, ça faut que je passe en haut, le petit truc en pierre là. Donc il me semble que c'est sur la gauche. Par là. Un truc comme ça, non? Ah non. Une vieille surprise, voilà, j'en étais sûr. Mais ils ont vraiment changé les musiques des combats, c'est incroyable ça. Et je m'y attendais pas. Posture stable, attaque. Tape-moi tout ça. Ta 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 ta. Il est cassous normalement. Paf. Capturé Fongu Mushu. Et boum. Trop fort cesse. Là cesse. Orbe de PC moyen. Bah voilà qui est mieux. Je peux passer là? Non. Fuis. Du coup, c'était pas là. C'était peut-être là. Ça me paraît bizarre, mais. Non, c'est en effet peut-être plus cohérent. Mais oui. Le bois, on peut passer là. Et oui, c'est ça. Hop. C'est en effet ça qu'il fallait faire. My bad. Ok, on y est. Aurais-je parlé trop vite? Je vais pas aller trop vite. Putain de forêt de merde. Ce n'est pas là. Hein. Hop. Ok, je passe par là peut-être. Sûrement d'ailleurs. Voilà, ça me paraît mieux.
Non, je dois probablement passer plus par là. Pour arriver. Voilà. Ici. Non, pas ce... ça date celle-là, non? Cette sauvegarde. Avancer dans les ruines assemblées. Le 9, il date un petit peu quand même. Hop, ok. Vous obtenez Rameau de Frêne Waldien. Tout ça pour ça. Il n'y a pas un bleu là, sérieux. On aimerait se barrer. Alors, on arrive là. J'étais passé par en haut, non? C'est l'occasion de voir ce qu'il y a en bas. Non. Pensez-vous pas? Non, j'étais passé par en bas. Ok. J'allais par là, pas du tout. J'ai une mémoire de merde. Pas par là non plus. Pas par là non plus. Ta-da-da. Ok, là ça me paraît bien. Voilà le petit tronc. Et là on arrive au bleu. Très bien. Elle est immense cette forêt. Paf. Nous rentrons. Très bien. Et nous ressortons de la forêt magique. Que voulez-vous? Astuces utiles, spécialité des maîtres des boucliers. Ta da da da. Ta da da. Ta da da da. On peut passer par là. Ah. Par contre, il y a plus le cristal du bois là. Comment ça se fait? Cristal de la terre, comment ça se fait qu'il y a encore autant d'arbres? Ils ont pas tout cramé encore? Non. On va monter. Non, pas du tout. Si, il faut que je monte. Non, faut que je rentre là. C'est ça. Allons-y, nous avons le bois. C'est bien la branche dont vous avez besoin, n'est-ce pas, Roddy? Ouais, c'est bien ça. À présent, n'ai plus qu'à lui lancer un petit sort. On sent que il est pourri, lui. Hein. Moi, je sens que c'est pas bon. Je te donne un coup de main. Je sens qu'il est corrompu déjà. Non? C'est le vrai? Roddy? Je vais bien. J'ai juste dépensé un peu trop d'énergie magique ces derniers temps, c'est tout. Un peu de repos, je serai à nouveau sur pied. Bien, si tu le dis, repose-toi, mon vieux, on se va charger de Viginizo. Bon, entendu, désolé. J'avais peur qu'il le plante, le Elvis, là. Avant qu'on parte, vous voulez bien nous expliquer comment utiliser ce truc? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, que savez-vous des morts vivants? Ce sont des êtres ayant transcendé la mort, ils sont animés malgré leur décès. Oui, c'est à peu près cela. Mais il y a autre chose importante à savoir à leur propos. Tous les êtres humains meurent, n'est-ce pas? En d'autres termes, notre vie n'est qu'un voyage vers la mort. Mais pour les morts vivants, c'est l'inverse. Ils pensent que leur voyage est celui de la mort vers la vie. Ah, super. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils n'y parviendront jamais. Ils ne pourront jamais vraiment revenir à la vie. Là-bas, les maîtres athées, elles se relèvent aussitôt, toujours aussi morts qu'avant. Mais si on parvenait à les ramener à la vie pour de bon, ce serait alors possible de les tuer, et cette fois, ils resteraient morts. Tu veux ramener à la vie les morts pour les tuer derrière, pour qu'ils restent morts. Et c'est là qu'intervient le rameau. Oui, comme vous le savez, le Fred Waldien est un arbre plein de vie. Il déborde littéralement du pouvoir de soigner et de nourrir. Et toute la magie que nous avons insufflée dans ce rameau a nettement accru son pouvoir déjà impressionnant. Flanquez une bonne raclée à Viginizo, puis plantez-lui ceci dans le corps. Cela devrait l'empêcher de revenir. Je ne peux pas vous garantir que ça marchera, mais je n'ai jamais essayé. Mais si j'ai bien compris que ce que Dame Emma a écrit, c'est sans doute notre seule chance. Mais la seule personne en qui je peux avoir plus confiance qu'en toi, Roddy, c'est Dame Emma. Ça marchera, j'en suis certain. Oui, je l'espère. À présent, vous ferez mieux d'y aller, les habitants de Weaswald et Malini comptent sur vous. Ne vous inquiétez pas, Roddy, nous ne vous laisserons pas tomber. Pourquoi il y a un machin bleu là? Enfin, un point d'exclamation. Ta 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 ta. Il ne faut pas parler avant, voulez-vous vous reposer avant de partir? Non, mince. Ok, d'accord, c'est. Comme vous voulez, mais faites bien d'accord, vous êtes notre seul espoir. Ok, c'est juste pour pouvoir dormir, très bien. Du coup, où est-ce qu'on va le chercher, l'autre con, là? Bien, pas là. Où est-ce qu'il est? On sait même pas où il est.
Il a dit qu'il était allé dans l'institut, non? Pourquoi on va là? Je comprends pas. Pourquoi le jeu me dit d'aller de sortir de là? Il n'est pas à l'institut? Ta 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 ta. Ta ta ta. Ah, c'est peut-être là, il y a un nouveau labo. Ta 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 ta. C'est où? On est où là? Spécialité batailleur, de sang-froid, les actions peuvent être choisies librement la moitié du temps en pleine furie. Ah. On est de retour dans les égouts. Quel dommage de devoir gâcher des assets comme ça et de les réutiliser. On pourrait les réutiliser. Paf, le poisson avec un bouclier. C'est un murloc. Ta 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 ta. On dirait vraiment des murlocs. Hein. Alors là, pour le coup, on va peut-être pas y aller aussi bourrinos comme je l'étais. Hein. On va prendre une. Un défenseur du peuple. Ah, mais non, il est pas là l'autre con. Posture stable. Check. Ah merde, j'ai oublié de remettre Gloria en. Fuck. Flûte. Loop, on va les regarder. Ok, il a 3000 PV. J'ai oublié de la remettre. Ah non, elle est en spiritisme. Ok, nice, je l'ai remis. J'avais bien fait les choses. J'avais pensé à la remettre à la fin du combat. Pour rien en fait. Okay. 800. 3500. On va taper lui là. Oh non, t'es à 11. T'as 13 PV je crois. Truc comme ça. 50. Bannissement. Hein. Immunité lumière. Aïe. Nous aussi on est. Attaque accès à l'arrivée du tour suivant pour l'initiateur. Merde. Oh putain, j'ai 3 attaques magiques de feu de. Une cible. Craigne la foudre. Ok, c'est là où on choisit pas. Point de pression. Paf. Plus ça dégage. Soigne. On va aller tuer lui là. Hop. Ok, il fait vraiment les deux, hein, même si c'est pas le même. Mais ça c'est plutôt cool. Magie blanche. Là on va aller. On va faire une loupe pour observer ce qu'ils font eux. Elles ont quand même 3000 PV. Contre-attaque. Nice, ça dégage. Il a fait tous ses coups. Le machin, il a fait tous ses coups pour essayer de nous tuer et il s'est fait contre-attaquer la gueule. J'adore. Illumination, non, on va faire. Plus qu'une attaque rapide à une cible qui a de grandes chances de la priver d'un PV. Allez zou. Paf. Repaf. Paf paf. Et Elvis il va tomber là? Non. Ok, bannissement. Rebannissement. Garde angélique. Et let's go là. Hein. Il y en a marre là. Il fait 25 attaques. Très bien. Ni moins que nous sommes ensemble. Touloulou. Hop, on peut passer par là. Ok, on va tuer lui. Tadadin, tadadin, tadadin. Cette nouvelle musique, j'adore hein, vraiment. Oula, oulala, oulou. Je veux ce cheval. Mort vivant. Ouais, merde.
Oui, mais non. Waouh, on l'a OS. Garde Angélique, art de l'épée. Peau sur sable. Hop, ombre. Aïe. Esprit de soin. Contre-attaque. Bam. Point de pression. Ya bam. Ouais, tu fais 3000 et là tu fais 2000. Non, mais il sert à rien. Ouh. Défenseur du peuple. Spiritis. Est-ce qu'on fera pas une brume sacrée là? Je crois qu'on en a besoin. Please, heal my breath. Heal my breath plutôt. Art dragonnier. Ya bam! Putain, tu fais zéro dégâts. Ya bam! Ah, il est gelé lui. Ça va pas. Il est plus gelé. Arts martiaux. Focalisation. Oh. Oh, le 4550 là. Mais on les éclate vraiment en fait. Vulnérabilité lumière. Il a pas pris de dégâts. Ah, il meurt pas là, t'es sérieux? Afflige. Toutes les cibles. Ok. Focalisation. Bam. Putain, t'aurais pu le capturer ce con là. Ta 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 ta. Hop. Et il continue d'y aller hein. Il va à fond lui. Ya boum. Mais capture-le. Putain. Écaille de monstre marin. On ne l'a pas capturé. On les a bien éclatés par contre. Alors le seul hic, c'est que je vais pas pouvoir sauvegarder. Et c'est un problème. Ne pas pouvoir sauvegarder. Ça, c'est chiant. Dans les donjons, qu'on puisse pas sauvegarder quand on veut, c'est relou. Il devrait y avoir un objet genre pierre de sauvegarde. Vous pouvez pas? Mais merde, ça sent la vilaine surprise. Non, ok. Bon, j'avais raison, fallait que je passe par la droite. Alors j'esquive les monstres. Vous ne m'en voudrez pas. Parce que je veux juste sauvegarder. Et dans le prochain épisode qui sera probablement dans longtemps. On en tuera des monstres. Ne vous inquiétez pas. Non, je dois pas passer par là. Certainement pas. Ah, peut-être par là-haut. Il est magnifique ce truc. Ah, me touche pas. Ok. Je peux rentrer ici. J'ai découvert ça. Ok, très bien. On va pouvoir sortir du donjon pour sauvegarder. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, plus tard dans le prochain épisode, ça c'est certain, pour la suite de cette aventure qui, je l'avoue, m'intéresse de plus en plus à suivre. J'ai, sur les premières heures de Bravely Default, j'étais un petit peu en mode, ouais bon, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans cette aventure? Et voilà, depuis qu'on est arrivé à là-haut là avec les fées, bah, l'aventure prend une toute autre tournure et c'est bien plus palpitant à suivre, je trouve. Sur ce, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez, qu'il se passe bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.